Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, petite présentation de ce MAN TGL version régionale de Gaming Modding. On découvre ça tout de suite après l'intro. Eh bien bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Aujourd'hui on découvre ensemble un mode payant qui est au prix de 20€, d'ailleurs je tiens à remercier notre ami Gaming Modding de m'avoir envoyé ce mode pour qu'on puisse le tester sur la chaîne et vous faire parvenir mon avis. Donc il s'agit ni plus ni moins d'un camion remorque, avec remorque incluse, le MAN TGL. Et oui, le MAN, on a aujourd'hui le MAN TGX qui est là, on a pas mal de petits MAN par-ci par-là. Et du coup, voilà, on ne l'a pas celui-là, et vous allez voir à quoi il ressemble, et je pense que c'est pas mal en tout cas de réaliser des modes comme celui-ci, puisqu'on n'en a pas sur ETS, et c'est clairement ce qui manque aujourd'hui sur ETS 2, c'est donc les camions remorques, mais les camions régionaux, voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter donc ce MAN TGL de Gaming Modding, et on va voir ensemble ce que ça donne. C'est parti, vendeur de camions, concessionnaire baudet, et donc le voici, le voilà, le New MAN TGL, donc c'est la nouvelle version 2022 de ce MAN, et du coup on va analyser ça ensemble. Le voici, le voilà, ce petit MAN TGL qui est ma foi plutôt sympathique, plutôt bien réalisé. Donc on peut apercevoir que c'est la dernière version, la version 2022, donc avec les nouveaux optiques MAN ici à LED, ils sont vraiment très sympas. On est sur quelque chose de plutôt sympathique, voilà, en termes de 3D, franchement ça va, ça reste très 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 correct. Des jantes Alcoa déjà par défaut, c'est vraiment pas mal, et des jantes adaptées au type de véhicule, hein, puisque souvent il y a des personnes qui créent des porteurs comme ça régionaux, mais avec des jantes voilà en 22,5, et là ça va pas du tout. Là pour le coup on est sur des petites roues qui sont très très bien réalisées, et franchement il n'y a pas de problème là-dessus. Regardez, c'est vraiment très propre avec les pneus Goodyear, c'est vraiment très sympa. Regardez, donc tout y est, c'est vraiment très détaillé, il n'y a aucun problème là-dessus. Le petit haillon et tout, c'est vraiment très très propre. Donc là on est principalement sur une version, j'ai l'impression une version frigo, je pense que c'est une version frigo, hein. Ou même pas fourgon, je dirais, non plutôt fourgon, parce qu'il n'y a pas de groupe frigorifique. Alors je sais pas, ouais, je pense que ça va être plutôt fourgon, mais en tout cas il est vraiment pas mal d'apparence comme ça, c'est un bon point positif. Allez, on va regarder donc au niveau de la personnalisation. Donc cabine, forcément on n'a qu'une seule cabine. En termes de châssis, on va regarder un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc là on a une première version bâchée, donc en fait ça va changer la carrosserie à l'arrière, donc version bâchée, donc ici sans le haillon, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ici on a la version, ah ouais, on peut transporter des voitures dessus, ça c'est vraiment sympa, très 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 sympa, regardez. Donc ça c'est cool, on peut transporter donc des voitures dessus, je sais pas si... Après on va voir au niveau du fret, etc. ce que ça donne, mais ça c'est plutôt cool. Et la version thermo, donc effectivement, donc la version thermo c'est bien un frigo, c'est bien ce qui me semblait, mais je sais pas où il est le groupe frigo, c'est bizarre. Peut-être ça derrière, non je pense pas, ça c'est le filtrage, je sais pas du tout. Bref, dites-moi en commentaire si je me plante, hein. Je sais, je suis un inculte, m'en voulez pas. Donc voilà. Allez, en termes de motorisation, donc du coup, ici on est sur une version 300 chevaux, mais on peut également mettre la motorisation des 2066-250 à 340 chevaux. Et là, comme vous pouvez voir ici, donc on a le badge qui change, hein, voilà, donc tac. Ok, allez, niveau transmission, donc on est sur du type Matic, donc boîte typique des MAN. Voilà, 12 vitesses donc sans ralentisseur et 12 vitesses avec ralentisseur. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, niveau skin, donc le véhicule il est très bizarre ce skin. Il est très bizarre, je sais pas ce que c'est, il doit y avoir un petit souci, je sais pas. Skin Denem, je sais pas ce que c'est, mais il me semble que ce véhicule est skinable, enfin je pense, hein, du moins, enfin je l'espère, puisque vous allez pouvoir donc le skinner à l'effigie de votre entreprise. Donc là en fait on a des couleurs constructeurs, j'ai bien l'impression, puisque on a des codes. Regardez sur chaque peinture, vous voyez, on a des codes. Donc à mon avis, je pense que c'est des couleurs, des teintes constructeurs. Voilà. Je savais même pas que ça existait en rose. C'est peut-être, hein, je sais pas. Je connais pas du tout les codes couleurs de chez
de chez MAN ou autre camion. Mais en tout cas, voilà, on a des couleurs assez sympas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre comme ça en gris, histoire de le mettre bien, bien, bien en valeur. Et voilà. Ok, allez, niveau personnalisation, je sais c'est ce qui vous intéresse le plus. Et là, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal de slots. Donc ça, c'est encore une fois un point positif. Donc voilà, donc du coup, on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Ici, donc on peut rajouter un petit rajout de pare-choc. On a un petit slot ici qui est apparu. On va regarder ce que c'est. Ah ouais, on peut mettre des petites lumières et tout. Ça, c'est très sympa. Donc des petits talmus, des petits marqueurs et tout. Ok. Alors, on va le virer, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc, on a la version peinte également et la version en noir, comme ça. D'ailleurs, je trouve qu'en noir, c'est même mieux. Ça se marie vraiment bien avec le gris. Et ben, vous savez quoi? On va le laisser comme ça en noir et on va regarder si tout fonctionne. Ici, possibilité de peindre le pare-choc. Donc, en plastique, en peinture, en piano, piano black. Donc, en fait, c'est ici. Regardez, du coup, voilà. Et donc, tout le pare-choc en noir, comme ça. Moi, je vais le laisser comme ça. C'est très bien. C'est plutôt pas mal. Allez, niveau, niveau optique, donc là, headlight black, donc avec le fond noir, donc avec le fond transparent ici en chrome, version piano, d'ailleurs ça donne vraiment bien en version piano, et version piano 1, on va regarder un petit peu ce que ça donne en jeu, mais là c'est plutôt pas mal. On a notre slot ici, donc on peut mettre, ah ouais carrément des paupières de phare, on peut mettre des paupières de phare, ok c'est plutôt pas mal, ok bon, j'ai jamais vu un camion régional comme ça tuné, mais bon, ça peut arriver, voilà. Ici, donc, on peut mettre des petits feux, des Hella double burner, pourquoi pas. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, c'est la calandre, on peut la peindre, etc. Piano black, en peinture, etc. On va la mettre en piano black. Et ici, on a un petit slot qui va nous permettre de mettre... Ah ouais, le man. Ok, d'accord. Donc, le badge man. Donc, voilà, en noir, etc. En peinture, en chrome. On va le mettre en peinture. Voilà. Ici, à mon avis, je pense que ça va être la même chose. Donc là, vers la baguette au-dessus, voilà, en piano black, etc. En peinture et tout. Et là, le petit man, on peut le modifier. On peut changer la couleur. Et regardez, ça donne vraiment pas mal. C'est très sympa. Alors, je me trompe pas parce qu'il y a beaucoup de slots. Ici, donc, le bandeau d'essuie-glace, donc peinture, piano black, etc. On va le laisser en plastique. On va regarder un peu ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, ici? Ah oui, c'est cette partie-là. On peut la laisser en plastique, piano black, etc. C'est pas mal. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des sucettes de rétro. Oui, pourquoi pas. D'accord. Et ici, donc, les rétroviseurs, voilà, qu'on peut mettre en piano black, etc. Peinture et compagnie. Voilà, on va le laisser comme ça en peinture. Ok. L'intérieur, on verra après. Par contre, on n'a pas de plaque convoyeur ni chauffeur. Alors, c'est peut-être du fait que ça soit un peu rétréci. Voilà, comparé au véhicule, au tracteur de 19 tonnes. Là, pour le coup, c'est un peu plus compact. Et c'est peut-être du fait que, je sais pas, peut-être qu'il y a un problème d'insertion ou autre. Mais on n'a pas ça. Voilà. Alors, on a un slot ici. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est à l'intérieur. On verra ça après. Ici, donc, les. Pardon. Les casquettes de toit, donc on en a plusieurs, voilà, piano black, peinture, blind glass, ok, et en noir, comme ça, on va le laisser comme ça. En téviseur, pareil, on peut le peindre, hein. Voilà, donc ça c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça c'est quoi ça? Ah oui, donc ça c'est le support, ok, de l'antéviseur, très bien, ça marche. Alors là, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc là, un roof grill, donc ça c'est cool, donc une barre de toit. Eh ben, autant le personnaliser jusqu'au bout, ce petit man, hein, on va aller jusqu'au bout. On va faire un petit truc sympa, comme ça, voilà, tac, voilà, les petites longues portées, hop, et voilà. Ok, et puis on a un autre petit truc ici, par exemple, on peut mettre des petits girons. Alors, on a des intérieurs lumineux, voilà. Donc on va regarder un petit peu, donc on a en bleu, en vert, en rouge, en blanc et en jaune. Eh ben, nous, on va mettre... On va essayer en vert, tiens, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ici, spoiler light, donc on peut mettre des spoiler light, donc des torpedos, voilà, des petits trucs au-dessus. Là, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois pas. Ah, on a des petits feux additionnels sur les côtés. Ouais, pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est le support du rétroviseur d'accostage, donc on va le laisser en black. Et ici, possibilité de le peindre, piano black, etc., etc. On va le laisser en plastique. C'est pas mal, hein. Franchement, pour l'instant, je suis pas déçu. Ici, alors qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est, mais il y a un petit truc. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, bon. Ça, je viens de le voir. Ok, ça, on a fait le tour. Ici, je crois qu'on va pouvoir le peindre. Voilà, cette partie, on peut la peindre. Ok, donc ça, c'est les feux qu'on a vus sur le côté. Pareil pour les poignées de porte, on peut les peindre, etc. Ok, là, cette partie,
Ah ouais, on peut mettre aussi une barre ici. Alors, je regarde, s'il n'y a pas des feux, s'il n'y a pas rajouté des feux, non. Ok, donc là, pareil, on peut mettre une petite barre sur laquelle on peut mettre des petits accessoires. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc les roues, bah, autant les laisser. Donc on a les roues ici, hein, donc on va les laisser telles quelles. Alors là, on a... Ah non, regardez, donc on a deux sortes de roues. Donc on a deux sortes de roues Alcoa. Donc des Alcoa comme ceci et comme cela. Bah écoutez, moi je préfère cela, hein, clairement. Là c'est pareil, hein, on peut pas modifier, là non plus, voilà, donc c'est vraiment pas mal. Les roues sont très sympas, donc autant les laisser telles quelles. Dommage qu'on ait pas des roues peintes, ça aurait été sympa qu'on puisse les peindre. Donc ici pareil, hein, donc le passage de roues on peut le peindre, etc. On va le laisser, on va le mettre en piano black, parce que du coup ici ça reprend tout. Ok. Alors ensuite, là... Donc là c'est parti là, donc ici donc le support de la barre anti-encastrement c'est pareil, on peut la peindre, ok, on peut le peindre. Alors ça va être de l'autre côté, on verra ça après. Ici, petite roue de secours, ah mais par contre roue de secours qui n'est absolument pas adéquate, voilà, roue de base. Donc là on est sur une roue en 22,5 pardon, et là on est sur du 19,5, donc pour le coup là... Là, c'est pas très bien joué. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc là, barre anti-encastrement, on peut la peindre. Ok, ça, c'est pas mal. Ici, on a un autre truc, je sais pas ce que c'est. Thermosafe Chrome et version peinture. Donc, à mon avis, ouais, c'est parce qu'on doit pouvoir le skinner, ça. Je pense. Voilà. Donc, les jantes, c'est pareil. Derrière, je vais regarder s'il n'y a pas... Alors, on va regarder au niveau des roues. Ouais, on peut mettre donc, deux sortes de roues. Ici, donc, on peut peindre les passages de roues. On va les mettre en noir comme ceci. Tac, tac. On va passer là. Ici, donc, on peut mettre un petit coffre de rangement. Ok, c'est plutôt pas mal. On va passer à l'arrière. Alors, à l'arrière, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout à l'arrière. Pas de personnalisation possible. Par contre, la plaque, je ne sais pas où elle va apparaître. Ah, là. Ok, d'accord. Très bien. Alors, les autres trucs, parce qu'il y a d'autres slots qui sont planqués derrière. Il faut que... Voilà, je fasse ça et que j'aille voir ici. Alors, ici, donc là, c'est le réservoir de carburant. Ok, on peut le peindre, etc. On peut le laisser comme ceci, c'est pas mal. Ça... Donc là, ah ouais, ça, c'est ce qu'on a vu. Ok, fender, donc ça, c'est passage de roue. Là, c'est le truc. Et là, on a quelque chose. On peut remettre encore un petit coffre ici. Side skirt. Ouais, ça, c'est les... Ok. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, puisque je crois que j'ai vu un slot ici. Alors ça, c'est warehouse. Ouais, mais ça, c'est le réservoir, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est le réservoir. Ok, bon, on a fait le tour, du coup, on a regardé un petit peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas les angles morts, ça aurait été cool. J'aurais bien vu des petits angles morts, ça aurait été sympa. Et puis voilà, bon, c'est plutôt pas mal. Non, plutôt pas mal, franchement, là-dessus, rien à dire. Ok, on va passer à l'intérieur. Paf, nous sommes à l'intérieur de ce MAN, donc on est sur la dernière version du MAN, et l'intérieur est superbe. L'intérieur est vraiment superbe, on est sur quelque chose de très poussé niveau qualité. Ça c'est clair que là, je suis assez surpris, vraiment très très beau l'intérieur. Les textures sont vraiment très très propres, on s'y croirait presque. Franchement, rien à dire, super véhicule. Franchement l'intérieur, énormissime. Ok, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on a plusieurs intérieurs, donc on a une version... beige. Ah, du coup, il y a les compteurs qui apparaissent. Ah, beige digital, donc beige normal, donc avec les compteurs normaux, classiques, on a le beige digital, donc on a un compteur digital, ça c'est cool. On a une version black, black normal, et black digital. Et bien, vous savez quoi, je vais mettre le beige digital, et on va regarder tout ça. Ça, c'est bien joué, ça, bien joué. Allez, au niveau personnalisation d'intérieur, on va regarder un peu, donc là, le volant, donc on peut mettre le volant en beige, moi je vais le laisser en noir, quoique... Ouais, non, on va le laisser en noir, c'est plutôt pas mal. C'est très bien. Alors ça, c'est à l'extérieur, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est à l'extérieur, ok. Les éléments du pare-brise, donc ça, ok, ils y sont, il n'y a pas de problème. On peut mettre quelque chose ici sur le tableau. Ici, on peut mettre nos désodorisants. Dommage qu'il n'y ait pas des slots. Voilà, j'aurais bien vu un petit slot ici. Ah, il y a des trucs en plus, là. Petit slot ici, ça aurait été sympa sur le tableau de bord pour pouvoir mettre nos accessoires. Mais on a les éléments du pare-brise, donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Ici, donc, on a des rideaux, ok, des petites franges, ça, c'est quoi, ça? Ah oui, c'est le... Ok, c'est à l'extérieur, donc là, les éléments suspendus, par contre, on a du gift Steam, ça, je sais pas si c'est très légal, ça, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Donc ça, alors, mirror, ça, c'est l'extérieur, on peut mettre quelque chose ici sur le siège, par contre, on peut rien mettre à ce niveau-là, on n'a pas de couchette, forcément, on est sur du régional, dommage qu'il n'y ait pas des slots ici, j'aurais bien vu des slots ici ou ici pour mettre nos accessoires, ça aurait été cool, vraiment,
Dommage qu'ils y sont pas, peut-être que ça viendra. Je pense que si je discute un peu avec lui, il est possible qu'il nous en rajoute. Mais franchement, non, c'est... franchement, l'intérieur, je suis bluffé, il est juste énorme. Il est vraiment énorme. Franchement, nickel. Voilà pour ce beau petit man. Eh ben, écoutez, je suis assez satisfait. Alors, on va voir, on va confirmer ça via la console du développeur. Alors déjà, bon, on a des petites erreurs. On a des petites erreurs donc de fichiers Unit qui sont pas à jour, fichiers PMA qui sont pas à jour. Ici, matériel UI, paint job, UI, paint job, machin. Ah ouais, donc ça, en fait, c'est le, vous savez, le skin qu'on a vu tout à l'heure, très bizarre. Donc, je sais pas ce que c'est. Il doit y avoir une erreur, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il y a un problème avec le premier skin qu'on a vu tout à l'heure, rose et blanc. Là. Donc, voilà, donc ça, pas d'importance. Ensuite, ici, maintenant, les câbles est déjà existent. Est déjà existant. Oui, ça c'est le trailer, c'est normal. Donc voilà, donc ça pareil, on s'en fout. C'est rien de méchant. Sinon, le véhicule franchement est très propre. Là encore, on a encore des petits fichiers PMA qui sont pas à jour, mais rien d'extraordinaire en termes d'erreur. Donc ça va, franchement, c'est très correct. Voilà, allez, je valide. Je valide le véhicule. On va le tester. On va regarder un petit peu. Et je vais vous montrer les remorques, puisqu'on peut bien entendu atteler une remorque. Et c'est ce qu'on va faire pour le fret. Alors, vendeur de remorque, on va aller là. Man trailer qui est ici. Tac. On va personnaliser la configuration. Et voilà. Donc, la remorque, en fait, elle est totalement identique au man. Hein. Voilà. Mais elle est vraiment très sympa. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire dessus. Alors, ici. Ah ouais, donc pareil, on peut mettre ici en version bâchée, etc. Version frigo. D'ailleurs, moi, je suis en frigo. Regardez du coup, hein, je vous montre un petit peu ce que ça donne, donc l'ensemble. Et voilà, donc c'est plutôt pas mal. Là pareil, pour la couleur, on peut peindre, etc. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et en termes de personnalisation, bah, ça va être la même chose. Hein, donc voilà, vous avez la possibilité de modifier les roues. Modifier également pas mal de petits trucs ici, voilà, des petits accessoires en plus, vous voyez, comme sur le man. Et à l'arrière, je crois qu'on peut voilà peindre pareil le... là, le pare-choc arrière. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ça, on l'a fait. Et ça, on l'a fait. Ok. Bon, bah voilà. Eh ben écoutez, on confirme, on achète. Comme ça, on va voir un petit peu si on peut prendre du fret avec tout ça. Alors, ok. Oui, je veux acheter. Voilà, merci. Niveau machin, etc. Alors, ah, too many indices, ça, on s'en tape. Ça, c'est souvent. Ça, c'est rien du tout. Ignorer unit, pareil, unit, donc ça, il y a des petits soucis avec des fichiers unit, unit, pardon, et ça, redundant air wheel accessories removed, air rim. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, je voyais un truc noir, en fait, lorsqu'on sélectionnait le truc, mais visiblement, non, il n'y a pas de problème, hein, donc voilà. Alors, on va atteler la remorque. On va atteler la remorque, tac, et on va voir si on peut prendre du fret, déjà, dans un premier temps. Donc, marché du travail, offre de fret, et j'ai envie d'aller voir avec les voitures aussi. Donc là, on peut prendre du fret, hein. Donc ça, il n'y a pas de souci, voilà, vous pouvez prendre du fret, donc ça, c'est cool. Et j'ai envie de voir après, hein. Donc on va d'abord tester le véhicule, et on va aller checker après les... on va aller checker, comment dire, voir si on peut prendre, vous savez, le transport de voiture, ça peut être pas mal, ce petit truc-là, je pense que... C'est assez demandé en plus, ce genre de choses. Ok, allez, on va se mettre ici, voilà. Le volant, ça y est, il recommence. Ouais. Donc voici ce petit man TGL qui est ma foi très sympathique et plutôt sympa. Franchement, on est sur une version plutôt sympa et pas connue en fait hein, de TS, puisqu'on n'en a pas des camions régionaux comme ça. Et franchement, bah, ça change, c'est vraiment sympa. Allez, on va le démarrer. Donc la plaque ici, alliée. Donc ça, il n'y a pas de problème. À l'arrière, je regarde vite fait. Ouais, et ici également. Ah, on va juste regarder un truc. Non, ouais. Ok, donc voilà. Non, nickel. Allez, je démarre. Ok, le véhicule est démarré. Par contre, déjà, petit bémol, c'est qu'on n'a pas les feux diurnes qui s'allument. Ça, c'est un petit peu dommage. On est sur un son modé, donc ça, c'est cool. Ok, nickel. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. On va tester le reste. Allez, on va se mettre de nuit, on va tester l'éclairage. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas les... Ah, ah bah non, on n'a pas les feux diurnes. Voilà, les feux de jour, on les a pas. Allez, on va allumer donc les feux de position. Et là, effectivement, avec les feux de position, on a les feux diurnes qui s'allument. Voilà, donc ça, c'est pas terrible. Tout est ok, il n'y a pas de problème. Niveau performance, franchement, c'est fluide. Il n'y a pas de problème avec même tous ces éclairages. Ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème particulier. Feu de croisement, ok. Et feu de route, tout est nickel. Il n'y a pas de problème. Je regarde au niveau, voilà, sur les côtés. Les petits feux ici. Les feux sur les côtés. Les feux de...
Les feux de position latéraux, voilà, je cherchais le mot. À l'arrière, les freins fonctionnent. La marche arrière, ok. Et les clignotants, je vais regarder après. Donc la remorque, pareil, tout est ok, tout fonctionne. Tac, ok, on a même l'éclairage de plaque. C'est pas mal, franchement, rien à dire. Et les clignotants, par contre, les clignotants, on les voit pas beaucoup. Hein, regardez, du coup, de nuit, on les voit pas beaucoup. Au niveau des feux diurnes, ça, c'est un petit peu dommage. Je pense à retravailler sur les clignotants. Voilà, bon. Allez, ensuite on va passer donc à l'intérieur. Donc on est là sur l'intérieur, on est à l'intérieur. En termes de fluidité, franchement ça va, c'est très correct. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème là-dessus, même plus que correct, je dirais. Et regardez du coup donc cet écran digital, voilà, sur lequel on peut modifier. Voilà, on a l'ordinateur de bord. Les textures, c'est pas tip top. On est sur voilà, la qualité de la texture, c'est pas ça encore. Hein. Voilà, on est, ça fait un peu flou. Un peu pixelisé, mais franchement de loin ça va, ça reste correct. Le GPS fonctionne très bien, on a cette voilà, cette console de clim, etc. C'est vraiment propre, la radio et tout, c'est vraiment nickel. Voilà, rien à dire là-dessus. Allez, on va passer donc en journée, on va regarder un peu ce que ça donne, on va éteindre les feux. Tac. Et en journée, regardez, on a un écran bleu, c'est assez sympa. Dommage pour la texture, elle est un peu pixelisée et tout, un peu de mauvaise qualité. Je pense que ça c'est à retravailler, mais franchement sinon ça va. Tout fonctionne, regardez l'aiguille et tout, tout est ok, il n'y a pas de problème. Allez, on va regarder donc la fenêtre, elle s'ouvre, donc ça il n'y a pas de problème. L'animation, on a une petite animation, regardez, mais en fait c'est le bouton, il s'appuie en fait en fonction de la vitre. Plus la vitre est ouverte et plus le bouton est enfoncé. Bon, c'est pas très grave, voilà, on s'en fout un petit peu au final de ça. Hein. Il est où le front park là-dessus? Ah, il est là. Ah oui, c'est un front park électronique. Ok, très bien. Donc ça, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Les essuie-glaces, ok, pas de problème. Et voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal pour ce véhicule. On va le couper. Voilà. Je vais prendre une petite capture très rapidement pour la miniature. Hein, vous m'excuserez. N'importe quoi, je fais n'importe quoi déjà. Puisque j'ai envie de tester en fait j'ai envie de tester le transport de voiture. Ça, vous voyez un peu comment je prends mes miniatures. Voilà, je fais toujours comme ça. Voilà, tac. Et ensuite, je fais ça. Voilà, j'essaie de trouver un bon petit truc sympa. S'il faut changer ici la météo, un truc cool. Voilà. Voilà, on est bien comme ça. Ok, donc on va pouvoir tester la version porte-voiture. Alors, je vais le démarrer. On va reculer, je vais le faire ici. Parce que je suis curieux de voir si on peut prendre... qu'est-ce qu'on peut prendre, en fait, comme... comme fret, en fait, sur le transport de voiture. Ok, merci. Tac. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, c'est comment qu'on pouvait faire ça? C'est où, déjà? Voilà, car attractive. Ok. Je vais faire ça, ok. Et la remorque, pareil. La remorque, normalement, on peut. Hein. Et ben, j'ai bien l'impression qu'on peut pas. Ah, on peut pas. Ah, la remorque, on peut pas la mettre. on peut pas la mettre en version porte-voiture. On peut pas la mettre en version porte-voiture. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Donc, en fait, c'est uniquement le. Alors, est-ce qu'on peut mettre une voiture dessus? Est-ce qu'il y a des slots pour pouvoir mettre quelque chose dessus? Ben oui, voilà. Donc, on a bien ça. Voilà. On peut mettre une voiture dessus. Voilà, une Mazda 323. Qui est ici. Qui est en après. Qui a des couches de. des couches de mastic. on a une R34. Ah, il est sympa, l'R34. C'est pas mal. Voilà. Et une Supra. Ok. Bah écoutez, ouais, c'est pas mal. Ah, la texture par contre de la Supra derrière, je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, on n'a pas d'étrier sur les voitures, par contre, il n'y a pas d'étrier. On a juste les disques, mais pas les étriers. Mais voilà, donc bon, en fait, c'est juste pour, voilà, juste pour... voilà. Après, toujours est-il qu'on peut utiliser des remorques invisibles, hein, pour pouvoir utiliser ce type de chargement, mais voilà, donc, malheureusement, on peut pas prendre des voitures. Bref, mais en tout cas, c'est pas mal. Donc voilà, donc alors je vais me remettre je vais me remettre en version frigo. Ah, quoique, on va le laisser comme ça. Ouais, non, allez, je vais me remettre en frigo. C'est pas mal le porte-voiture, c'est dommage qu'on puisse pas c'est dommage qu'on puisse pas mettre alors on va faire ça terme, voilà. C'est dommage qu'on puisse pas prendre du fret avec le porte-voiture. Ça, ça aurait été vraiment cool. Donc, voilà. Alors, est-ce que je vous recommande ce mode? J'ai envie de vous dire oui.
Dans le sens où il y a pas mal de personnalisation, c'est assez poussé. Il y a pas mal de petites choses. Dommage pour le porte-voiture. Voilà, j'aurais bien vu une remorque porte-voiture aussi pour qu'on puisse prendre du fret avec. Ça, ça aurait été cool. Après, la personnalisation, elle est là. Il n'y a pas de problème. On peut changer pas mal de petites choses. Le véhicule, la 3D est vraiment parfaite. Il n'y a rien à dire sur la 3D, que ce soit la remorque ou le véhicule principal. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Les roues, les pneus, la carrosserie, tout y est. La personnalisation qui est là. Au niveau de l'intérieur, on est sur un intérieur assez poussé en termes de qualité. Donc franchement, la qualité est vraiment superbe. On est sur une optimisation vraiment parfaite au niveau du jeu. Donc vous n'allez pas avoir de chute de FPS, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On a un petit problème là, regardez, avec le volant. Ça, je ne l'avais pas vu. On a un double volant de l'extérieur. C'est pas très grave, mais bon. Les petits bémols, c'est qu'on a pas mal de petites erreurs PMA, des fichiers unit qui sont pas à jour. Après, on a également au niveau des feux, les optiques à l'avant pour les DRL ne s'allument pas lorsqu'on met le contact, ça c'est dommage, ils s'allumeront uniquement si vous mettez les feux de position, ça c'est pas terrible. Après pareil, on voit pas les clignotants sur les DRL, puisque les clignotants en fait sont incrustés dans les feux de jour, voilà, et lorsqu'on met les clignotants on les voit pas, voilà, on voit juste un petit truc de rien du tout, un petit point orange qui clignote, mais on les voit pas, donc ça je pense que c'est à corriger. Après, voilà, au niveau de l'intérieur, franchement, c'est pas mal. Au niveau de la personnalisation, j'aurais bien vu des slots au milieu, voilà, entre les deux sièges, sur la petite tablette, sur les deux sièges, ça aurait été sympa de rajouter même des slots sur le tableau de bord pour qu'on puisse mettre plus d'accessoires. Ça, c'est très demandé par la communauté et c'est ce qu'on, nous, on recherche. Principalement, c'est la personnalisation de l'intérieur assez poussée. Sinon, le reste, tout y est, il n'y a pas de problème. On peut prendre du fret, tout est OK. Il y a un sous-modé, franchement c'est pas mal, franchement, on est sur un véhicule plutôt propre, voilà, donc pour 20€ franchement ça va, ça reste relativement correct. Après il y a encore pas mal de petits trucs à voir, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des suggestions à apporter pour ce véhicule, le modeur passera de toute manière vérifier tout ça, et n'hésitez pas à laisser votre commentaire si vous voulez voir plus de trucs ou des suggestions, hein, voilà. Moi je verrais bien, voilà, même des slots pour les angles morts, pareil, que ce soit sur le camion à l'arrière, pareil, mettre des slots pour mettre des petits accessoires et tout, les disques de vitesse ou autre, ça aurait été sympa, et pareil, corriger les slots à l'intérieur, et voilà, corriger des divers problèmes, notamment au niveau des optiques, etc., les clignotants et tout, mais sinon le reste tout fonctionne parfaitement, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Donc voilà, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. En tout cas, merci encore à notre ami Modder de m'avoir prêté ce véhicule pour vous le présenter. C'est voilà, pour moi un bon point. Donc voilà, lien en description, n'hésitez pas si ça, si vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. La petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très très bientôt. Ciao tout le monde.